Bonjour, bonne fin d'après-midi à tous. Soyez les bienvenus à l'émission. On en est rendu à la troisième semaine et à compter d'aujourd'hui, on peut dire que la course prend véritablement son envol malgré les perturbations normales d'un départ. Bon, faut comprendre que les concurrents avaient à trouver leur rythme de travail. Et puis quand on voyage beaucoup, vous en savez peut-être quelque chose, il y a aussi l'estomac qui doit s'habituer à une nourriture différente. Pour les concurrents de la course, il y a autre chose. La méfloquine, je vous en ai déjà glissé un mot, c'est la fameuse pilule contre la malaria. C'est une pilule qu'ils doivent prendre toutes les semaines et il paraît que c'est particulièrement éprouvant. Je ne vous cacherai pas qu'à ce stade-ci, nous avons quelques inquiétudes avec Louis Perpignan-Huard, mais on en reparlera lors de la présentation de son film. Les films sont évalués en fonction de critères bien précis. Il y a tout d'abord le traitement du sujet, la qualité de l'image et de la bande sonore, le commentaire et l'appréciation personnelle des jurés. Les jurés, eh bien, je vous rappelle qu'ils sont 6 cette année à composer notre jury permanent. Sur le plateau, on a déjà eu Jean-Pierre Masse, Marc Caillé, Daniel Pinard et Christiane Charette. Alors, il ne manquait plus que Daniel Paton. Bonjour Daniel. Bonjour Pierre. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Micheline Langto également. Bonjour Micheline. Bonjour. Alors, vous avez... Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous... Sans méfloquine tous les trois. Sans méfloquine tous les trois, c'est bon, c'est parfait. Vous avez tous vos papiers? Oui. Je crois. Alors, c'est parti. Cette semaine, je partage avec vous un secret. Depuis qu'elle est partie, Sophie nous a fait parvenir deux très beaux films d'Afrique. Rappelez-vous celui de la semaine dernière sur les Touaregs. C'est un film qu'elle a tourné, même si elle était malade, à cause de la méfloquine. Cette semaine, elle est à Paris. Elle était un peu déçue et voulait faire quelque chose sur Ariane Nouchkine, la fondatrice du Théâtre du Soleil. Malheureusement pour elle, impossible de rencontrer Madame Nouchkine. Alors, elle s'est tournée vers un sujet qui l'a toujours intéressée, les accouchements aquatiques. On m'avait parlé de ce cri englouti sous les eaux. On m'avait parlé d'une transition sans choc ni violence. On m'avait parlé d'enfants qui naissaient heureux parce qu'ils passaient du liquide de la mer au liquide de la mer. Alors, j'ai voulu voir à sa source. Je me suis donc rendue à Pithiviers, ville dont le nom s'est transposé à la célèbre technique d'accouchement aquatique. Et une fois rendue à l'hôpital, rien. Les corridors vides. Les chambres de patients inhabitées. La pièce d'entraînement et d'initiation à l'eau est déserte. Seules des photos témoignent d'enfantement passé. On me fait alors visiter la fameuse pièce d'eau, fantomatique. Mais alors, où est le cri à la vie? Où se retrouvent les grandes théories d'une mère à une mère? Voilà, c'est que les théories existent. Une naissance sans violence, c'est-à-dire de bien accueillir le bébé, de surtout de ne pas le séparer de sa mère. Bon, alors peut-être que dans l'eau, le contact est encore plus étroit, ils sont tous les deux dans le même... dans l'eau, tous les deux. Ça retarde un peu cette séparation. Il y a des femmes qui veulent spécifiquement accoucher dans l'eau pour prolonger le milieu amniotique avec un esprit plus mystique un petit peu. Hein. C'est-à-dire que la naissance, le bébé, en naissant dans l'eau, n'ayant pas le traumatisme de la naissance et du brusque contraste milieu aquatique au milieu terrestre, aurait par la suite des qualités particulières, c'est-à-dire serait un enfant... On somnole, on perd la notion du temps, et donc ça anesthésie un petit peu ce qui est violent, quoi, et c'est peut-être un peu cette attirance. Puis l'eau aussi, comme phénomène de rêve, phénomène d'une attirance, peut-être qu'on est des anciens mammifères aquatiques. Mais ce qu'il faut écouter par la suite, ce sont les obstétriciens scientifiques se penchant sur le phénomène, expliquant que les progrès en obstétrique sont dus au monitoring, petite capsule qu'on met sur le ventre de la mère et qui surveille le rythme cardiaque de l'enfant. Au lieu de se contenter simplement du monitorage, ils ont compliqué le problème en recherchant le pH de l'enfant, c'est-à-dire en faisant des petits prélèvements de sang sur le cuir chevelu, en mettant des électrodes sur la tête du bébé, ce qui a entraîné une réaction de la part des femmes, de dire, mais enfin, pourquoi c'est si compliqué d'accoucher
comme cela, alors que nos mères, nos grand-mères ont accouché de façon beaucoup plus simple. D'où la création d'accouchements comme l'accouchement plus doux. Et l'accouchement dans l'eau, bon, ça va quand ça se passe bien. Mais s'il y a quoi que ce soit, si le bébé a tant que ce, enfin, a quoi que ce soit, bon, bah, il s'est raté, parce que de toute façon, il va inhaler, il va... Bon, donc on ne peut pas. Dans l'eau, on ne peut pas mettre de monitorage. Deuxièmement, moi, dans l'eau, ça ne me paraît pas tellement logique, parce que c'est, ce ne fait que retarder le passage du fœtus, oui, qui du existe, liquide de toute façon. Moi, je aquatique, suis d'accord aussi. De une minute ou une minute façon, et demie, de toute façon, il doit le faire. On vivra à l'air libre. Donc, à donc mon ça avis, réalise de plus un fantasme. Oui, moi, à mon avis, oui. Un fantasme de l'accoucheur et de la femme. En effet, on ne va pas faire accoucher un petit veau dans l'eau et une baleine sur la plage parce qu'elle a des poumons. Non. C'est donc à partir d'une hypertechnicité que les femmes ont réagi pour se lancer dans une autre extrême qui est celle de l'accouchement dans l'eau non vigilant. Une extrême dérivée de l'autre pour se fusionner en une expérience de vie plus contrôlée mais plus humaine. Alors, premier commentaire sur ce film de Sophie Lambert, Daniel, tout d'abord. Oui, moi, ce que j'ai préféré vraiment, c'est comme le début et la fin. C'est très, très belles images de noir et blanc, de femmes dans l'eau, bon, avec les hommes à la fin aussi. Ça me laisse sur ma faim, je dois dire. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On arrive à la clinique à Petitvier et on dit, il n'y a rien. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a rien, pourquoi les chambres sont vides, pourquoi il n'y a pas d'accouchement, pourquoi... Alors ça, j'avoue, et c'est ça. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est lancé dans l'air, mais qui n'est pas vraiment développé. Il manque un petit peu. Oui, et il y a une chose qui m'a beaucoup amusée, c'est l'espèce de discussion sur la terrasse. Sur la terrasse. Avec, très bien filmé, très intéressant. Ça. Oui, oui, ouais. Ça, vraiment, parce que l'espèce d'humour et de contraste, ça, j'ai apprécié. Jean-Pierre. Bon, Sophie, c'est la révélation depuis le début de la course. Il y a des semaines où rien ne fonctionne, en dehors de la volonté du conférent, c'est le cas. Son premier sujet lui échappe, le deuxième, l'hôpital est désert. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle se sort du pétrin. Ouais. Mais ça reste un pétrin. ça devient finalement une discussion sur les différentes méthodes d'accouchement, et je trouve que l'hypertechnicité du monitoring, là, c'est simplifier la chose beaucoup. Micheline. Ben, moi, j'abonde dans le sens de Daniel, qu'elle pose beaucoup de questions sans donner de réponse. Qu'elle fait, moi, je pense qu'elle a voulu mettre en conflit la théorie et la pratique, mais elle n'y parvient pas techniquement. C'est assez maladroit, la structure de son petit film. Mm-hmm. Et là où, effectivement, les images de la fin sont très prenantes, mm-hmm. et celles du début aussi, entre les deux, c'est extrêmement maladroit. C'est des plans de coupe sur le café, puis des gens qui parlent. Tu lui donnes combien? 14. 14, Jean-Pierre. 14. 14, Daniel. Et moi aussi, 14. 14. On va faire une bonne émission. Ce qui fait donc un total de 42 pour Murmure d'eau de Sophie Lambert. Il y a les parents de Sophie qui nous ont envoyé un petit quelque chose cette semaine. Regardez bien. Je veux vous dire que je vous adore, je vous aime, puis j'apprécie tout ce que vous faites pour moi. Et puis, il va falloir changer le message parce que c'est pas très enthousiaste, hein? C'est pas très représentatif de ma famille. OK? Et puis, je vous donne plein de becs. Et puis, bon, papa, ton paquet, il est arrivé, excepté qu'il a été bloqué aux douanes, puis il faut que j'aille payer des taxes, alors je vais l'avoir juste demain. Ben, quand je vais partir, le gars, il est censé venir me rejoindre. Puis, merci. Je vous jure, je l'apprécie vraiment. C'est pas sensationnel ce que j'ai fait comme film à Paris, mais ça dérange pas. Je l'ai fait assez rapidement pour avoir du temps pour en faire un comme il faut en Russie. Oui, la Russie, ça me fait peur, mais ça va aller. Puis, c'est le fun, finalement, la course. OK? Grosse bise. Bye bye. Bye Sophie. Bye bye Sophie. Prends soin de toi. On t'aime beaucoup. En haute altitude, plus on a le teint foncé, plus on s'adapte vite. Marie-Claude nous a fait parvenir ses vêtements et objets de Bolivie, où elle s'est finalement rendue après avoir passé une semaine éprouvante. Mais je vous rassure tout de suite, au téléphone, elle nous a dit qu'elle était heureuse et que tout allait très bien. Bon, mais ça n'a pas été facile. De Mexico, elle s'est rendue à Lima, au Pérou, où elle devait prendre un avion en direction de la Bolivie. Mais les autorités boliviennes lui ont refusé l'accès au pays parce qu'elle n'avait pas de visa. Pourtant, à Ottawa, on lui avait dit que ce n'était pas nécessaire. Enfin, elle a perdu 2 jours, elle a obtenu son fameux visa et elle s'est rendue en Bolivie, c'est-à-dire à La Paz.
De La Paz, elle a pris un autobus jusqu'à Potosi. Le trajet a duré 12 heures, dont 8 sur une route de terre. Elle a été malade, diarrhée et mal de ventre. Là-bas, l'attendait un couple de coopérants québécois, Lucie et Marc Bisson, deux travailleurs sociaux volontaires qui œuvrent pour le compte de l'OCSD. C'est l'Organisation canadienne de solidarité et de développement. Alors, on regarde le film de Marc. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous demander une petite faveur. J'aimerais ça vous demander d'oublier que vous êtes au Canada, d'oublier que vous êtes au Québec, vous êtes quasiment américain, que vous avez le chauffage central, le Steinberg à côté, parce qu'on va rentrer dans un monde qui est complètement différent, avec des valeurs qui sont complètement différentes, puis qui pourraient nous apprendre aussi quelque chose sur le monde de Bolivie. Hein? Vamos? Vamos? Potosi a déjà été si riche qu'un dicton affirme qu'avec l'argent extrait de ses mines au cours des siècles, on aurait pu construire un pont entre la Bolivie et l'Espagne. ...4400 mètres d'altitude. L'Indien est maître de la montagne est maître de l'Indien, entre les deux la terre, la Pachamama. Le Cerro Rico domine la ville, omniprésent. 10 000 galeries le traversent, creusées au cours des siècles. Un gruyère minéral gigantesque, habité par des souris aux yeux plissés et au teint cuivré. Les descendants des esclaves font le même travail que leurs ancêtres avec les mêmes outils. Un pic de fer et une lampe qui fonctionnent à la roche et à l'eau. Le sang des lamas sacrifiés qui tachent l'entrée de la mine Amadou El Tio, de qui on vole le minerai. Le diable qui habite le centre de la montagne dans les chaleurs de l'enfer. Les journées sont longues, de 8 heures du matin à très tard le soir. Pour quelques dollars par jour et souvent pour rien. Les mineurs des coopératives ne reçoivent pas d'argent s'il n'y a pas de profit et le prix de l'étain n'en finit pas de baisser. L'union avec la terre se fait dans un lieu de repos improvisé à même la roche. Sous la croix d'une chapelle plastifiée, la feuille de coca est mastiquée. Coincée entre la joue et les dents, une boule grossit. Le liquide qu'elle produit gèle la bouche et la gorge. On la mastique pendant des heures, puis on la crache. Le cadeau de la terre-mère soulage la faim, combat la fatigue et le mal de l'altitude, compense pour le manque d'air et protège des poussières et des gaz. Il est offert comme on offre une cigarette, socialement. Hommes, femmes, enfants, mineurs, paysans et étrangers. Oui? Moi, je dis quoi? Non, je dis quoi? Bien, c'est riche. Mm-hmm. Dulce. Sí, dulce. ¿Cómo sientes? Muy bien. La culture de la coca fait partie des mœurs et des coutumes indiennes qui remontent à des millénaires. Elle fait partie du quotidien des mineurs qui en mâchent la feuille plusieurs fois par jour, partie du travail, partie de la vie. Les habitants de Potosi sont loin des préoccupations antidrogues des Yankees. Et les Américains qui veulent la destruction de toutes les plantations de coca ne se doutent pas des conséquences sur le mode de vie bolivien. Il faut une tonne de feuilles de coca pour fabriquer 3 kilos de cocaïne. Si la drogue fait la fortune des trafiquants et du ravage à l'extérieur du pays, mâcher les feuilles de coca est aussi dangereux que la consommation de vin. Exiger l'élimination de la culture de coca en Bolivie, c'est comme demander aux Français d'arracher leurs pieds de vigne. Les conquistadors espagnols ont tué 8 millions d'esclaves indiens et africains pour soutirer le trésor de la montagne. La vie d'un mineur est courte et ne vaut pas grand-chose. La silicose est inévitable. Au cimetière de Potosi, les générations sont enterrées, une par-dessus l'autre. Les derniers filons d'argent s'épuisent. L'étain ne vaut presque rien. La montagne se meurt et la ville avec elle. Demain, il ne restera que la terre et les mineurs. La fiesta a un arrière-goût macabre. Los días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi... Entre la vie et la mort, la coca, Micheline? Oui, ça, j'ai trouvé ça exceptionnel comme document. Je trouve qu'elle a une façon très, très... très professionnelle d'aborder un sujet, très intelligent. Mm-hmm. Elle a une maudite belle qualité d'image et de son. Ouais.
assez faire le tour du sujet, mais pas d'une façon plate. C'est-à-dire qu'elle a une façon bien... Elle est critique, elle est... Elle n'a pas peur de s'impliquer. Elle n'a pas peur de s'impliquer, comme on l'a vu. J'espère que c'est bon, il fait des cocards. Elle a une intelligence du regard, l'intelligence du cœur, un beau sens critique, une très belle utilisation d'image, je trouve. Bon. Je surenchéris. Elle nous dit au début, je vais vous faire entrer dans un monde complètement différent. Elle réussit. Ce monde, c'est comment c'est triste d'être mineur. C'est pas pour ou contre la coca, c'est sur la condition des Indiens qui extraient l'étain. Ouais. Et la coca n'est qu'une des facettes de leur existence. Alors, je trouve ça admirablement structuré, très senti. C'est pas moi, tu vu. Excellent reportage. J'ai aimé ça. Ah, beaucoup. Daniel. Même chose, j'abonde tout à fait. Je trouve aussi qu'elle a, justement, la structure m'a beaucoup frappée. Ce début de fête et cette fin de fête qui a des allures macabres. Et tout à coup, il y a une sorte d'humanité, de tristesse qui se dégage de cette fête de villageois. Et je trouve que le commentaire est d'une intelligence, d'une concision. Le nombre d'informations qu'on reçoit en l'espace de quelques minutes, c'est fabuleux. Et elle n'a pas peur de se mouiller, cette fille-là. Je la trouve admirable. Et ça lui donne combien, ça? Je lui donne un beau 18. 18, Jean-Pierre. 18. Micheline. 18. Non, vraiment. Bon. On est tous unanimes. Non, ça va, c'est correct. Quand c'est bon, c'est bon. 54, alors, pour Marie-Claude Harvey, entre la vie et la mort, la coca. Ben, qu'est-ce que je fais après? Je cherche des sujets, j'en trouve pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je ne fais pas un film demain, si j'ai pas un film demain où je retourne à Montréal. Ce coup de téléphone, Louis l'a réellement reçu. Jean-Louis Boudou, comme le directeur de la course, lui ont servi un sérieux avertissement du genre « Si tu fonctionnes pas, tu rentres à Montréal. » Ce qui se passe, eh bien d'abord, Louis nous a laissé sans nouvelles de lui pendant 14 jours. Le règlement est très strict, obligation de téléphoner à tous les 10 jours. Il a utilisé deux cassettes totalisant 60 minutes audiovisuelles, alors qu'il n'a droit qu'à 40 minutes. Mais si c'est excellent, c'est pas tellement grave. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il a pris près de 10 jours pour tourner le sujet de la semaine dernière à Budapest. Et cette semaine, après 8 jours à Prague, il n'avait toujours pas de sujet. Ce qui veut dire qu'il n'arrive pas à fonctionner au rythme infernal, mais tout de même au rythme de la course. Et il ne respecte pas son itinéraire. Il était toujours à Prague alors qu'en suivant les dates de son billet d'avion, il devait se trouver en Inde. Donc, il a maintenant reçu 3 avertissements. Aux dernières nouvelles, il nous a dit qu'il était pour changer, qu'il était pour respecter davantage les échéanciers. Et puis on lui souhaite, parce que Louis est tout de même 3e au classement général, ce qui est très bien. On regarde son film. Prosim. Une cassette. In Deutsch? Non, français. Československá studia uvádí film oficiální státní propagandy Rádio Stalin. Film byl natočen státním filmovým režisérem Ludvíkem Huarčekem. Letos v roce 1952 na horách nad Prahou jsme právě dokončili největší a nejslavnější, nejmasivnější sochu moderní historie. Teď je chvíle na společný zpěv internacionály. Radio Stalin, la première radio indépendante en Tchécoslovaquie. Cette radio a commencé dans les catacombes qui se situaient sous la statue de Staline, le plus grand monument que l'Europe centrale a jamais connu. Un monument qui a pris plus de 5 ans à construire. Sous le regard de Pic Petra, la radio continue dans ses locaux provisoires. Les animateurs sont peu payés, mais en revanche jouissent d'une liberté qu'ils ne pourraient pas avoir à la radio d'État. Je m'appelle Peter Dillo, je travaille à la radio 1. Parce que notre radio est la première radio indépendante en Tchécoslovaquie. Nous n'avons pas d'argent. Nous devons travailler à beaucoup de magasins parce que nous n'avons pas d'argent. À Radio Stalin, on se mêle peu de politique. Mais pendant 1h30 par semaine, on exorcise cette frustration musicale infligée par le régime pendant toutes ces années. Dans l'esprit de la radio d'autrefois, on joue une sélection de ces vieilles chansons officielles des groupes approuvés par l'État. À 16h, on invite les gens à appeler afin qu'ils puissent voter la soi-disant meilleure chanson de la semaine. Cette musique tchécoslovaque, pour moi, c'est
très spécial, oui, parce que, par exemple, dans cette musique existent les songs qui sont écrits par les chefs communistes, oui. Je crois que les auteurs pensaient que tout le monde qui écoute cette musique sont comme crétins, je pense. Même si le régime n'est plus, la Tchécoslovaquie connaît beaucoup de difficultés. Le gouvernement actuel a tous les défauts d'un gouvernement ses premiers balbutiements. De nombreux dossiers n'avancent pas. Par exemple, celui de la Bibliothèque nationale de Prague. Dans les salles d'entreposage, il y a des milliers de livres qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on n'a pas la place nécessaire pour qu'ils soient en rayon. Je pense que la situation de notre Bibliothèque nationale est la catastrophe pour notre culture, pour notre histoire. Afin de sensibiliser la population de l'urgence, Radio Staline organise un concert bénéfice pour une bibliothèque vieille de 600 ans, pour une tradition qu'on doit sauvegarder si on veut assurer la relève d'un pays. Malgré son succès, la radio indépendante en Tchécoslovaquie est toute jeune. Le manque d'argent menace son autonomie. On craint les investisseurs trop ambitieux. Dans un homme en 51%, nous ne sommes pas indépendantes. Enfin, à Prague, il y a un peu de velours sur les ondes. Alors voilà pour la Radio Libre, un reportage de Louis Perpignan-Huard. Jean-Pierre? C'est plein de promesses, mais c'est expédié. Je veux dire, c'est un peu le même sujet que la semaine passée. C'est les reliquats du passé dans la mentalité des gens, en fait, le prolongement des secousses sismiques du communisme. Mais comme par exemple, il nous parle de la radio Staline, puis en même temps, il nous parle de la bibliothèque. C'est vrai, tu sais, il n'a pas ciblé ces choses. Ça reste intéressant, j'espère que ce personnage désorganisé va rester dans la course parce que c'est une lumière bien spéciale. Oui, on lui souhaite. Micheline? Moi, je trouve à son crédit qu'il a extrêmement bien saisi la finesse et le sens de l'ironie des Tchèques qui repasse les vieilles chansons communistes avec un palmarès. Je trouve extrêmement dommage qu'il ait passé beaucoup de temps à Prague et qu'il n'en rapporte aucune image. C'est une ville absolument extraordinaire, une ville du 15e siècle. Comme Jean-Pierre dit, il saisit très bien la problématique d'Europe de l'Est. Dans Budapest, c'était l'immobilité, l'immobilisme des gens. Quiconque est allé à Prague sait bien qu'ils ont une difficulté, ils vont avoir une difficulté énorme à surmonter le régime. Je t'arrête ici, Michel. Oui, ben c'est une sorte de documentaire, en fait, je sais pas, qui me laisse un petit peu entre deux chaises aussi, parce que je trouve qu'il donne une image de Prague catastrophique, quelque part, bon, qui peut-être politiquement, bon, ils sont désorganisés, etc., mais qui... La seule chose, le petit moment qui m'a intéressé, c'est le côté tout à coup un peu onirique dans la bibliothèque, où il y a une sorte d'inquiétude qui flotte. Ça m'a frappé. Et ça flotte jusqu'où pour une note? Ça flotte moyennement dans le 13. Dans le 13, Jean-Pierre. 14. Micheline. 13. Ce qui lui donne donc 40. La course, c'est quelque chose de fantastique qui arrive dans ma vie. Jacques est toujours en Australie. Il a quitté Alice Springs pour Darwin, situé à l'extrême nord du pays. Une ville qu'il a trouvée sans charme. Il faut dire que lui aussi a été malade à cause de la foutue pilule contre la malaria, mais ça ne l'a pas empêché de tourner. Bonjour, je vous présente Dale Bruce. Dale ne sait pas pourquoi Darwin s'appelle Darwin, mais il connaît la ville qui détient le record mondial de consommation de bière par tête de pipe. Et je puis vous dire, sans cynisme ni retenue, qu'à côté de lui, Platon est une bête. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, puis le jour et la nuit, l'eau, la lumière, les forêts et les plaines, et les créatures de la terre. Et Dieu aima ce qu'il vit. Le sixième jour, Dieu créa l'homme à son image, pour qu'il règne sur les poissons des océans et des rivières, sur les créatures des steppes et des savanes, du désert et de la toundra. Et Dieu aima ce qu'il vit. Il venait de créer un être autosuffisant. Le septième jour, Dieu se reposa, préférant contempler son travail de la veille, inventant de ce fait le congé du dimanche, sans quoi les voitures ne seraient pas aussi reluisantes. En route vers les îles Galapagos, le naturaliste Charles Darwin fit escale en Australie, où il étudia quelques espèces parmi les plus anciennes de la planète. C'est pendant ce voyage qu'il abandonna la notion orthodoxe qui veut que la nature soit fixe pour croire à l'évolution des espèces par ce qu'il appellera la sélection naturelle.
La Terre ne peut supporter toutes ces espèces. Cette espèce de baigneur vient d'en tuer environ 15 000 pour avoir préféré se protéger adéquatement des effets du soleil. Se joue alors un combat à finir, la lutte pour la vie, qui fait que Sofia Borovchik, que je salue affectueusement en passant, ne serait probablement pas vivante et concurrente de la course si elle était née au Soudan. La théorie de Darwin révolutionna la biologie et eut un impact extraordinaire sur la pensée religieuse. Avouez qu'entre naître à l'image de Dieu et descendre du reptile, il y a tout un pas. L'homme douta. Si Dieu existe, comment se fait-il qu'on investisse parfois dans la recherche médicale alors qu'à Houston, les fusées tardent à décoller? Pourquoi les raies collent-elles encore aux bananes? Pourquoi il y a toujours un train qui passe dans les films sérieux ou à message? Et puis la vie est injuste, et Dieu pardonne tout. L'homme douta, et Dieu créa le jardin d'Éden. Nombreux se sont inspirés des idées de Darwin pour développer et justifier leur propre théorie. Karl Marx s'est approprié le concept de lutte pour la survie pour en appeler à une seule et unique classe sociale, et les capitalistes ont établi que les sociétés devaient compétitionner pour survivre. Les fascistes, eux, se sont référés au phénomène de sélection naturelle pour prétendre à l'existence de races supérieures. Et Dieu n'aima pas ce qu'il vit. D'assurance. Et Darwin s'est reconstruite, tout en neuf. Puis même si elle détient toujours le record mondial de consommation de bière per capita, Darwin n'est finalement pas autre chose qu'une petite ville bourgeoise moyenne, c'est-à-dire que la plupart des terrains sont délimités par quatre clôtures différentes. Et c'est plutôt ici que j'aurais dû faire mon film. Mais l'endroit ne me semble pas sûr et vivement l'Asie. Eh bien, en attendant l'Asie, allons voir ce qu'ils en pensent. Daniel? Je trouve que c'est un sujet d'une ambition, les origines de l'espèce, je trouve ça confus. Mmh. J'avoue, je ne sais pas trop ce qu'il veut me dire, Jacques, là-dedans. J'ai l'impression que son commentaire ne colle pas nécessairement aux images non plus. Je suis un petit peu désolée parce que, bon, il y a une sorte de contraste entre la civilisation urbaine assez décadente et cette nature édénique, mais je ne vois pas où il va en venir. Jean-Pierre, tu es d'accord avec ça? Oui. Oui? Moi, je trouve ça touffu, broussailleux. Darwin et Darwin ne sont pas du pont et du pont, parce que Darwin, il y a la ville, puis Darwin, il y a le fameux scientifique. Puis là, il fait des associations constamment comme ça, il passe du coq à l'âne. C'est intéressant, mais c'est... L'eau qui tombe de la chute, il y a du sirop d'érable et bien des choses. Ben oui, ben alors c'est ça, c'est bavard, c'est hermétique, c'est assez vague, son parallèle ne fonctionne pas bien. Ça se veut un journal intérieur, mais ça fait un travelogue sans intérêt. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment de révélation sur la ville de Darwin, ni sur les espèces, en fait. Il y a un plan que j'aime bien, c'est quand il suit ce fameux lézard. Ouais. Alors, c'est ça donne 12. Combien comme note, ça? 12. 12. Ouh. 13 pour moi. 13. C'est le début de la course. 13. On est très compréhensif, là, on les aide. Alors, tout ça pour un total de 38. Je vous le disais tantôt, le règlement est très strict, ils doivent nous appeler à tous les 10 jours. Jacques ne l'a pas fait, il a reçu un avertissement du directeur de la course. Cette semaine, je suis sûrement dans l'impossibilité de vous présenter un film. En fait, Gérald a tourné cette semaine à Lima, au Pérou, en compagnie d'un ancien concurrent de la course, Alan Quinn, qui est aujourd'hui coopérant pour le Centre canadien d'études et de coopération internationale. Il a filmé un rituel d'offrande à la Terre dans un bidonville de Lima, mais c'est un sujet qu'il met en réserve. Il nous présente plutôt cette semaine un film qu'il a tourné lors des épreuves de sélection en juin dernier. Il était une fois un voyageur. Un voyageur un peu malgré lui. À cause de certains problèmes qu'il avait eus dans son pays, il s'est envenu ici, au Canada, amenant avec lui ses manières de penser et d'agir. Les trois dernières décennies ont été éprouvantes pour les Cambodgiens. Guerre, pauvreté, rareté les ont poussés à se débrouiller tant bien que mal, ce qui a d'ailleurs incité plusieurs d'entre eux à quitter leur pays. C'est le cas de Kim Chang, qui a émigré au Canada en 1978. Il vit aujourd'hui dans cette petite localité, près de Sherbrooke, où certains villageois le surnomment le roi de la récupération. «
bouteille cassée devient sans valeur, sauf si elle est cassée selon la méthode de Kim Chang. En arrivant au Canada, Kim a tout de suite démontré son esprit d'initiative. Il a d'abord démoli un poulailler et s'est servi du bois pour bâtir sa maison. La ma maison, tous les bois dans ma maison, au moins 40% dans ma maison, c'est vient du poulailler, ça. On voit bien là, ces traces de souris. Cette résidence, dont il a lui-même fait les plans, lui a coûté la moitié du coût normal. Murs, cuisine, ameublement, tout a été acquis à un coût dérisoire, puis retravaillé par Kim. Ben c'est bien fait. Il n'y a personne qui dit que c'est une maison à bâtir en poulailler. Kim en étonne plusieurs. Il sait saisir toute opportunité. Par exemple, cette motoneige. Il l'a trouvée dans un tas de ferraille. Il a tout réparé, du moteur jusqu'au siège qu'il a recouvert d'un manteau de cuir désuet. Tracteur, moto, vélo, bateau, tout est en état de marche, ce qui amène même les voisins à se questionner. Il y a des choses que je regarde plus pour réparer aujourd'hui. Parce que lui, il fait. Pourquoi que moi, je suis pas capable de le faire? Kim est mécanicien dans un garage de Quaticook. Là aussi, son travail est bien apprécié. Il est patient, puis il travaille bien. Donc, il va réussir à réparer des choses que d'autres vont simplement jeter. Cette façon d'agir, c'est d'abord une façon de penser. Les mains ont trop couru ici, il n'y a pas de temps à modifier quelque chose, ramasser quelque chose. Mais n'allez surtout pas croire que Kim ramasse n'importe quoi, n'importe où. Au contraire, il sait juger. On voit facilement quand les choses vont être bonnes ou pas bonnes. Et il suggère. Il m'a dit qu'au Cambodge, nos pneus usagés auraient leur utilité. Pas mal sûr, l'autre est capable de faire quelque chose avec ces pneus-là. Il peut faire une pompe ou faire quelque chose qui peut servir avec des vieux pneus. Il voit le gaspillage excessif qu'il y a là, qu'il y a ici, qu'il n'a jamais vu dans son pays. C'est sûr, nous autres, on ne le voit plus. On est venu au monde dedans, tu sais, le système. Quitter son pays sans argent, laisser parents et amis derrière soi et aller s'établir à l'autre bout du monde, voilà sans doute le summum de cet esprit d'initiative qui habite ces immigrés venus du Cambodge. Ça, c'est le genre de voisin qui vous donne des complexes. Micheline, vas-y. Ben oui, c'est le sujet qui fait le film. C'est vraiment un bon choix de sujet. C'est un personnage très attachant. Moi, je regrette qu'on n'ait pas vu un petit peu plus lui dans son fort intérieur. Mais c'est bien traité. Il y a une belle perspective de le mettre en comparaison avec ses voisins et tout, de montrer comment il s'est intégré dans son milieu. Je trouve ça intéressant. Ah oui, moi aussi, je trouve que c'est un portrait très particulier. Et j'aime aussi, bon, j'aime l'accent québécois qui développe, j'aime la casquette qu'il porte. Je veux dire, il y a comme une sorte d'intégration dans le pays, mais en même temps, c'est ce qu'il apporte au pays. Et ça, je trouve que c'est un point de vue intéressant. Et comme il disait, la façon d'agir part d'une façon de penser. Et je retiens, il y a une leçon, il y a une belle leçon dans ce film-là. Et toi, qu'en penses-tu, Jean-Pierre? C'est le genre de sujet que Gilbert a bien réussi. Tu sais, s'approcher des gens, c'est un gars qui lui ressemble beaucoup lui-même, c'est un bon patenteux. Oui, oui, oui. Et le gars est sympathique. Et puis, bon, on a eu plusieurs documents sur la récupération, tout ça, mais celui-là est exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup ça. Mm. Bon, alors, est-ce que ça lui donne une note sympathique? Moi, je lui donne 16. 16? Eh bien, moi aussi. Hey, vous êtes prêts pour vous entendre? 15. 15. Merci. On n'a pas l'air Donc, un total de 47 pour Gérald de Gilbert. Voici maintenant les prix que peuvent mériter les concurrents cette année. Un contrat d'un an en réalisation à l'ONF. Un stage rémunéré d'un an à la télévision de Radio-Canada, soit en réalisation ou en journalisme. 5 000 $ offerts par la Société Radio-Canada et un stage en montage vidéo chez Bellevue Pâté d'une valeur de 5 000 $. Prix de l'ACDI d'une valeur de 3 000. Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 $. Prix de l'UNESCO d'une valeur de 3 000 $. Prix conjoint du CIAS et de l'Université de Moncton d'une valeur de 3 000 $. Prix du public du journal La Presse d'une valeur de 2 000 $. I don't speak Japanese. English. La semaine dernière, Jennifer a eu des problèmes avec sa caméra. En regardant ces images, elle s'est aperçue que son appareil enregistrait de façon intermittente. Elle nous a donc téléphoné.
nous avons rejoint JVC, le fabricant de la caméra. La filière est remontée jusqu'à la maison mère à Tokyo. Et puis là-bas, ils se sont occupés d'elle. Tout d'abord, ils lui ont payé un dîner au restaurant. Et ensuite, ils lui ont fourni une caméra neuve pour la semaine. Depuis, on lui a acheminé une autre caméra de Montréal. Écoutez bien ce reportage. Les vacances sont finies et la vie quotidienne a repris son cours normal à Tokyo, c'est-à-dire le délire le plus complet. Et j'ai voulu filmer le journal, le Yomiuri Shimbun, le plus grand journal japonais. Fondé en 1874 à Tokyo, le Yomiuri Shimbun est aujourd'hui le plus important journal au monde. Avec plus de 465 bureaux répartis dans 37 pays et près de 8000 employés, le journal tire plus de 18 millions de copies par jour. Comment est-ce possible? 8h30, salle de rédaction. Les nouvelles arrivent à toute vitesse, elles se bousculent. L'homme n'a même pas le temps de les comprendre que la machine est déjà en marche. On met en page, on calcule, on agrandit, on vérifie, on inspecte, on corrige les épreuves. Aucune fuite n'est permise dans le système japonais. Coup d'État en Union soviétique? Trop tard. L'heure de tomber est passée, ça ira à la prochaine édition. En tout, 14 éditions par jour. Ça y est, c'est parti. La feuille d'or est mise en route. Les machines profusionnent. Stop! Mais d'où vient tout ce papier? The material of paper is coming from Canada mainly, and I think the paper, a specific paper for newspaper, is produced in Japan. But the materials are coming from Canada. La production est en cours et on en profite pour me conduire au bureau de livraison. 99% des Japonais se font livrer leur journal à domicile deux fois par jour et lisent en moyenne trois fois plus vite que les Occidentaux. Dans cette salle, les camelots attendent la marchandise. 15 heures. La deuxième édition du matin est terminée. Elle arrive de partout. Le travail des camelots commence. Ils sont 14 pour le secteur Shimbashi et 500 pour le Tokyo métropolitain. Le journal, société privée, leur fournit un appartement et paie les frais de scolarité. Mais pour cela, ils se lèvent à 3 heures du matin tous les jours. Après la première livraison et 8 heures d'université, ils ont tout juste le temps de revenir au journal pour la deuxième livraison. Et s'ils sont gentils, ils auront droit à un souper au sushi par mois et 5 complets faits sur mesure par année. Gracieuseté de la maison. Le chauffeur m'attend. Je dois partir. L'étranger doit se faire discret au Japon et ne jamais insister. Ils ont du travail. À peine le temps de lire la présente édition, qu'on écrit déjà la prochaine. Branchés sur des satellites, les journalistes ont une demi-heure pour refaire l'état du monde. Au Japon, le présent n'existe pas. Non, Jean-Pierre, ça a l'air intéressant. Tu parles de nous autres? Ah, mais moi, je dis ça comme dans les films de samouraï. Et t'arrives à lire aussi vite qu'eux? Hein? Non, pas trois fois, à ma vitesse normale. OK. Blague à part, quel progrès chez Jennifer. Ouais. Ah, ça, ça fait plaisir. Je veux dire, il y a de l'information, on apprend plein de choses, mais c'est jamais encombrant. Je veux dire, 18 millions d'exemplaires, on lit deux éditions par jour. Et puis, ce que je
particulièrement, ce que j'apprécie, c'est que beaucoup plus qu'un simple document sur un grand journal, ouais. C'est sur la société japonaise. Ça montre, ça dit beaucoup plus que ce qui est montré. Oui, moi, c'est ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a établi un très bon dialogue entre son commentaire, sa caméra. Ça, c'est un peu une constante chez elle. Par contre, j'aurais souhaité que la forme épouse davantage le propos. Je trouve que le rythme est un peu lent dans toute cette trépidation japonaise. La tonalité du film change en cours de route. On passe du réalisme journalistique au surréalisme. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je suis d'accord avec Jean-Pierre. C'est un excellent document. Même chose pour moi. Je trouve qu'elle a une écriture aussi dans le commentaire et elle a une façon de dire son commentaire qui est excellente, je veux souligner. Et bon, l'espèce de contraste entre le lyrisme, la musique classique, moi, je pensais que ce serait ironique. Je me rends compte que son point de vue n'est pas vraiment ironique et j'aurais aimé entendre les Valkyries là-dessus, quelque chose comme ça. Mais c'est un excellent document. Et j'aime beaucoup qu'elle ait parlé des camelots aussi, la livraison du journal. Ça lui donne combien? Je lui donne 17. 17? D'accord. 15. Donc, un total de 49 pour Jennifer Aline. Attention, dans le journal La Presse d'aujourd'hui, vous trouverez un coupon. Vous le remplissez et vous nous le retournez par la poste. Un seul coupon par enveloppe. Facsimilé accepté, pas de photocopie. En répondant correctement à la question, vous pourriez gagner chaque semaine un certificat cadeau de $150 offert par Ulysse, la librairie du voyage. En plus, vous recevrez le livre de la course, publié aux éditions Saint-Martin. C'est pas fini. Lors de la dernière émission, nous procéderons au tirage du Grand Prix du public parmi tous les coupons reçus. Deux personnes s'envoleront alors sur les ailes d'Air France à la découverte des mystères de l'Inde du Nord et du fabuleux Kenya. Il s'agit d'un prix de $16 350, une gracieuseté d'Air France et du Club Aventure. Bon voyage! Eh bien, en réponse à la question de la semaine dernière, c'est la Tchécoslovaquie qui avait refusé l'entrée à Louis Perpignan parce qu'il n'avait pas de visa. Le nom de la personne gagnante apparaît en ce moment au bas de l'écran. Cette semaine, vous devez nous dire combien y a-t-il d'éditions quotidiennes du plus grand journal japonais? Combien y a-t-il d'éditions quotidiennes du plus grand journal japonais? Un coup d'œil maintenant au classement de la semaine. Eh bien, on remarque que c'est Marie-Claude Harvey qui a obtenu le plus fort pointage, 54 points pour le document qui a pour titre « Entre la vie et la mort, la coca », suivi de Jennifer Aline, « La feuille d'or », 49 points, Gérald Gilbert avec « Le soleil de la pensée pratique », 47 points, « Murmure d'eau » de Sophie Lambert lui a valu 42 points, 40 pour « La radio libre » de Louis Perpignan-Huard et 38 points pour Jacques Blondin sur « L'évolution des espèces », un film tourné à Darwin en Australie. Si on reporte tout ça au classement général, on remarque que c'est Marie-Claude Harvey qui est en première position cette semaine, suivie de très près par Sophie Lambert. Ensuite, eh bien, il y a Marc Forgette. Bien qu'il ne nous ait pas présenté de film cette semaine, il est en troisième position. En quatrième, Louis Perpignan-Huard. On espère toujours qu'il fasse preuve d'un peu plus de discipline. En cinquième, Jennifer Aline. Sixième position, Jacques Blondin. En septième, Gérald Gilbert. Et finalement, en huitième position, classement général, Sophia Borowczyk. Notre invité vedette cette semaine à l'émission est un fan de la course, bien sûr, un humoriste du groupe Rock et Belles Oreilles. Voici Yves Pelletier. Wow. Alors, le reportage qui m'a le plus déséquilibré cette semaine, ce serait celui de Marie-Claude Harvey. Alors, Marie-Claude n'a pas peur de s'impliquer dans son sujet, on l'a bien vu, et elle nous fait découvrir des nouvelles cultures. Alors, cette semaine, c'est la culture du coca, la semaine prochaine, la culture du pot, et peut-être plus tard, la culture de l'aspirine. Sa rencontre avec les mineurs, j'ai trouvé ça extrêmement profond, à peu près 500 pieds de profond peut-être. Merci beaucoup. Et ce qui est incroyable dans la course, c'est qu'on apprend tout le temps des nouvelles choses. Comme là, aujourd'hui, le fait que la cocaïne est extraite d'une mine, on en fait une gomme ballon, et tout ça, c'est menacé d'être détruit par les Yankees de New York parce que les vignes françaises sont jalouses de leur mode de vie traditionnel. C'est un petit peu confus, mais on peut excuser Marie-Claude d'être confuse. C'est la cocaïne, ça rend incohérent. C'est comme si votre cerveau fonctionnait comme celui de Jean-Pierre Maas. Alors, merci Marie-Claude pour le petit paquet que tu as fait parvenir à Radio-Canada. Pierre Terrien avait quasiment tout mangé, mais il m'en a laissé un petit peu. Merci. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'il a dit. Hein? Sophia Borowczyk n'était pas encore au courant de ses notes lorsqu'elle nous a envoyé cette relâche que vous allez voir. Son 38 pour Atlanta et 37 pour Haïti l'ont complètement découragé. À Quito, il y a des églises à tous les coins de rue, des messes à toutes les heures, une orgie de dorures à couper le souffle. J'en ai visité des dizaines. À Quito, il y a des orchestres dans toutes les rues, un rythme à faire danser toute la nuit. J'y suis allée tous les soirs. Thank you.
La ville de Quito m'a complètement séduite. Je serais restée encore quelques jours. Mais c'est la course. Puis quand faut partir, ben, faut partir. Marc Forgette aussi est en relâche et il nous a fait parvenir ce clin d'œil de Paris. Chers vous autres, deux points. C'est moi, Marc. Juste un petit mot pour vous dire que je vais bien et puis que je vous aime beaucoup. J'ai pensé à vous autres. Et puis, ça vous tente-tu de venir faire une promenade? Avant de finir, c'est la course, c'est pas toujours facile, hein? Notre gentil réalisateur, là, il a rien prévu côté escale tendresse. Allez-vous m'écrire? Voilà, c'est presque terminé. Je vous remercie d'avoir participé. Ah, d'accord. Oui, bon, d'accord. On m'arrive tout à l'heure. Merci à vous à la maison d'avoir été là aujourd'hui. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Société Radio-Canada, aux soins de la course Destination Monde, casse postale 90-80, succursale A, Montréal, H3C-3P3. La semaine prochaine, Sophia Borowczyk est aux îles Galapagos. Jacques Blondin en Birmanie. Marc Forgette est au Mali. Jennifer Aline est à Hong Kong. Louis Perpignan-Huard à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et Sophie Lambert est à Moscou. Je rappelle la question de dernière fois pour cette semaine. Combien y a-t-il d'éditions quotidiennes du plus grand journal japonais? Au revoir, à la semaine prochaine.